Good morning, Aleïden, et tu seras aujourd'hui le Minishmat, Amram Yonah ben Chana, Nissim ben Ahuda, Sarah, Batran Rachel, ainsi que l'Irfuat, Ari Akiva ben Shachar, Raphaël, Zevulun ben Chaya Malia, et Azriel Yonatan ben Michal, Betor Shachol Israël. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude, Mishnah contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions Maseret Avot, Perek Dalet, Mishnah Yot, Tet Vav, Tet Zain, Yot Zain et Yot Chet, 15, 16, 17, 18, Mishnah Tet Vav. Rabbi Yanaï Omer, En Beyadenu Lo Mishalvat Arishaim, Veaf Lo Misurei Atzadikim. Rabbi Matia Ben Charash Omer, Eve Makdim Bishlom Kol Adam, Veeve Zanav La Arayot, Vealtei Rosh La Shu'alim. Rabbi Yanaï avait l'habitude de dire, En Beyadenu Lo Mishalvat Arishaim. On traduit littéralement d'abord. Nous n'avons pas dans nos mains, donc nous n'avons pas d'interprétation, d'explication apparemment, Lo Mishalvat Arishaim, ni de l'aisance, l'opulence des impies, ni des Isurei Atzadikim, des épreuves qu'endurent les justes. Deux interprétations dans le Bar Tanoura. Première explication, c'est d'expliquer quand la grande question bien connue que tous les prophètes ont posée, Moshe Rabbeinu, Yov, David HaMelech, Lama Derech Rishaim Tzalecha, Yirmiyahu Hanavi, il y a plusieurs dans les Nevim, c'est une question qui revient fréquemment, que beaucoup ont posée, pourquoi le Racha vit-il dans l'aisance alors qu'il fait tellement de Averot? Et on voit parfois, même au contraire, le tzaddik, le juste, qui souffre des souffrances atroces. Il y a quelques axiomes qui sont proposés, mais il n'y a aucune réponse qui réussit réellement à bien interpréter tout. Quels sont les chesbonot d'Hachem dans les Neshamot? Pourquoi Hachem envoie chacun son... Il n'y a pas de... C'est un peu au-delà du sechel humain. On va trouver parfois quelques interprétations, quelques axiomes, mais ça ne va pas couvrir tous les cas. C'est ce qui va nous apprendre Rabbi Yanaï, en nous disant que nous n'avons pas d'interprétation réelle qui va tout justifier. Ni de la shalva des Rishaim, ni donc l'aisance des Rishaim, et ni les Isurim, les épreuves qu'endurent le juste. Ça, c'est la première interprétation. Deuxième interprétation, il vient parler du même principe, mais dans un tout autre domaine. Je m'explique. Deux petites introductions. Tout d'abord, il faut savoir, lorsque quelqu'un endure des épreuves ou quoi que ce soit, il y a une obligation de faire son cheshbon nefesh, d'analyser. Il y a un interdit dans le Rambam, mamash, quelque chose de très grave, c'est lorsque quelqu'un endure des épreuves, il est chas v'shalom, il a appris qu'il était malade, qu'il avait quoi que ce soit, et de se dire, il a trop utilisé son micro-ondes et ça a fait des ondes, et à cause de ça, il a interprété de manière naturelle, et que ça a été un pur lapin de laboratoire qui a été la cause que une personne sur 10 qui souffre, ça lui tombe, et puis ça lui tombe dessus. Cette guicha-là, elle n'est pas juive, elle n'est pas toranique, c'est de la kfira. C'est marqué dans le Rambam, dans le Chot Ta'anit, lorsqu'il y a des épreuves, il faut faire tshuva. Il faut réaliser que Hachem, il nous envoie des épreuves parce qu'il veut nous reprocher, nous faire corriger des... Il veut nous... D'accord, Rasushalom. Et de ce fait, à titre général comme à titre individuel, le Rambam il insiste bien. Et de ce fait, donc d'abord, lorsque quelqu'un endure des épreuves, il doit nécessairement chercher une raison. De ce fait, on a besoin d'axiomes. Il faut savoir que dans le chasse, il y a des fois, ça existe, ce qu'on appelle des issurim shel ahava. Il y a des issurim shel ahava qui font que des épreuves d'amour. Qu'Hachem, il aime quelqu'un, il n'a rien à lui reprocher, et malgré tout, il veut envoyer des épreuves. Ça existe. À part ça, il y a aussi, une notion qui existe, qu'un rachat, un impie, il a fait dans sa vie d'Averot, et parce qu'il a accompli une mitzvah, alors, il y a parfois, Hachem, il va vouloir lui faire payer sur terre sa petite mitzvah, en lui donnant tout le confort possible, pour qu'ensuite, une fois qu'il va arriver au Olam Haba, qui va le griller jusqu'au bout, qui ne va plus rien faire, c'est lui qui va lui régler tous les comptes sans aucun mérite. D'accord ? Alors il vient maintenant Rabbi Yanaï et nous enseigne. Sache que, à notre époque, nous les Juifs, dans cet exil maintenant que l'on traverse, on n'a plus des vrais Rechaïm qui ont quelques petites mitzvot, donc ça n'existe plus tellement la Shalvat à Rechaïm. En Beyadenu, il n'y a pas au milieu de nous des personnes qui ont ce qu'on appelle la Shalvat Rechaïm, qui jouissent Behemet de tout le confort possible, ça n'existe plus, on n'est plus dans cette réalité de vie. Et aussi, Ve'aflom Yisurei Atzadikim, et ni non plus de Yisurim Shel Ahava, des épreuves qui endurent le juste.
Il vient donc nous apprendre, sache que lorsque on endure des épreuves et que tu vas chercher une raison, ne va pas chercher des raisons là où il ne faut pas les chercher. Ne va pas te dire que peut-être que malgré tout tu es un grand sadique, mais tu as quand même des raisons bien là-bas. Non, on a tous des cheshbonot, pourquoi Hachem il envoie, et on s'assure qu'on a fait quelques petits tableaux. D'accord, c'est le principe de la Mishnah, selon le deuxième pirouge du Bartenora. Ensuite on continue, Rabbi Matia ben Harash Omer. Rabbi Matia ben Harash avait l'habitude de dire, Eve Magdim Bishlom Kol Adam. Veille à dire, à saluer tout homme. Le Bartenora insiste, va filo nochri bashuk, même un goy. Soit celui qui est toujours, qui reçoit le chaleur, qui dit bonjour à tout le monde en souriant. Je connaissais quelqu'un de Strasbourg qui connaissait de près, il y avait là Rav Nathan Schulman qui a vécu pendant quelques années, il était à Strasbourg, au Shiva Slavodka, et qui m'a raconté comment réellement il accomplissait ça quand il rencontrait des goyim dans la rue, il disait bonjour à tout le monde, et avec un visage souriant et agréable. Je connais pas. D'accord, ça va porter comme ça. Ensuite. Va'altei, à part ça, il nous dit aussi un deuxième conseil, ve'eve zanav la'arayot, soit à la queue des lions, et ve'altei roche la chou'alim, et ne soit pas à la tête des chou'alim, des renards, soit à la queue des lions et pas à la tête des renards. Il vient nous donner un conseil très important, des fois, pour choisir où aller, par exemple. Imaginez, par exemple, on ne peut pas non plus donner trop de généralité, chaque cas, au cas par cas, il faut ensuite réfléchir, mais en tout cas, de manière générale, c'est bon à savoir. Où un bachour, un jeune homme, va mieux s'épanouir, dans quelle yeshiva, dans quelle école, peut-être dans une yeshiva, oui, je préfère parler d'une yeshiva, c'est plus facile, il veut maintenant soit partir dans une yeshiva où là-bas il y a des grandes bombes, mais il n'a pas exactement le niveau, il a peur qu'il va être un petit peu trop en arrière, ou bien partir dans une yeshiva beaucoup moins réussie, et comme ça, là-bas, il va pouvoir être plus en avant, puisque il est de nature beaucoup plus bonne, il a un bon fond, donc il va être plus aimé de ses rabbanis, mais dans ce cas-là, ils vont mieux l'aider. Ouais, je parle de manière très générale, comme ça. Alors, il vient, dans la Mishnah, il vient, Rabbi Matia ben Harash, nous enseigner, ben, sache que dans la vie, lorsque tu dois faire un choix pareil, cherche toujours à te coller avec les plus forts, même quitte à être un petit peu à la queue des plus forts, ce sera toujours beaucoup plus bénéfique, ce sera plus bénéfique pour toi que d'être à la roche à chou'alim, à la tête des renards, de ceux qui sont moins bons, et de croire que là-bas, grâce à eux, tu vas malgré tout réussir à avoir ta position de société, que tu vas être plus en avant, donc tu vas mieux gagner, tu vas mieux t'épanouir de cette manière. Non, c'est pas un bon calcul. Bien sûr, il y a plusieurs au cas par cas, ça peut apprendre une généralité comme une halakha fixe, pour réfléchir à chaque fois. D'accord, est-ce que réellement, quand il va être à la Znava Arayot, quand il va être à la queue des lions, est-ce qu'il va quand même réussir à l'étalonner, ou bien il va se décourager, au contraire, il va partir de l'autre côté? Dans ce cas-là, ça veut dire qu'il n'est même plus en Znava Arayot. C'est même plus la queue des lions, c'est une queue qui est tombée, c'est une queue de lézard. Alors ça ne marche plus, mais d'accord, on en parle. C'est l'instruction qui est écrite dans cette Mishnah. Mishnah Tetzain, Rabbi Yaakov Omer, Olam Azeh Domeh Laprosdor, Mipnei Olam Haba, Bifnei Olam Haba, Atken Atzmecha Baprosdor, Kedei Shetikanes Vetraklin. Eh bien, Rabbi Yaakov nous enseignait, et c'est super parce que d'ailleurs, Rabbi Yaakov, c'est le même auteur de la prochaine Mishnah qui commence avec Hua et Omer, c'est lui qui le disait. Elles sont en fait toutes les deux un peu liées. Il nous disait tout d'abord, Ha'olam azeh domeh laprosdor. Ce monde-là ressemble à un vestibule, à un hall d'entrée, bifnei ha'olam haba, devant le monde futur. Ce monde-là, c'est un monde de préparation, de vestibule, où est-ce que là-bas on entre, on pose nos affaires, on se prépare bien, et justement, Hatken atzmecha baprosdor. Veille à bien te préparer dans le prosdor, dans le vestibule, à bien t'habiller, te vêtir. Ouais, t'es rentré de dehors, il pleuvait, t'avais pas fini de t'habiller. Ouais, c'est une salle de réception par exemple. Salle de réception, t'es arrivé alors que dehors il y avait de la neige, il y avait de la gadoue, et donc t'avais pas de bons habits, donc tu es arrivé dans le vestibule, tu arrives là-bas, donc tu commences à enlever ton manteau, à remettre tes beaux habits, à te faire beau pour ensuite rentrer dans le prosdor, dans le traclin. Donc le traclin, c'est le château, la belle salle. Et donc il te dit, puisque ce monde-là, toute la réalité de ce monde, c'est justement un prosdor, c'est un hall d'entrée où est-ce qu'on se prépare en vue d'entrer dans la grande salle du palais, alors, atken atzmecha baprosdor, veille à bien te préparer dans ce prosdor, kedei shetikanes latraklin, afin que tu puisses ensuite entrer au monde futur. C'est phénoménal comment on remarque avec le temps qui passe, les jours passent, les semaines passent, les mois passent, les années passent. Les enfants qu'on avait encore, ils étaient tout petits. Maintenant, ils nous dépassent. Tout va tellement très vite. La vie, c'est une réalité que c'est une course constante. Ben, c'est bien pour réaliser qu'on est en ce moment dans un monde très passager. Et la meilleure des choses à faire, justement, c'est bien de sauver ce moment passager pour justement... Hachem, il nous montre que concrètement, on est là que de passage.
pour bien veiller à se préparer dans son monde de passage pour ensuite arriver dans le monde où ce sera justement le monde du... où finalement ce sera le moment de croquer tout, de manger tout ce qu'on a bien cuisiné pendant, pendant qu'on était dans le strakling, dans le prosdor. Et justement, la Mishnah Yudzayin, elle continue en nous disant « Ouaya Omer, il avait l'habitude de dire « Yafa sha'achat bichuva omasim tovim ba'olam azeh mikol chaya olam haba »« Ve yafa sha'achat shalkorat roach ba'olam haba mikol chaya olam azeh » Il nous disait « Elle est plus belle, un instant, et plus beau » de tshuva ou ma'asim tovim, lorsqu'on fait tshuva et qu'on fait des bonnes actions sur terre, bah olam hazeh, dans ce monde-ci, mikol chayeh olam haba. On pourrait croire, de plus que toute la vie dans le monde futur, on pourrait croire que finalement, on a envie d'arriver au monde futur, donc on a envie vite de quitter ce monde, pour ensuite passer dans le monde futur. Mais il nous dit non, pas du tout. C'est le moment de remplir. Plus tu feras des choses ici, plus tu profiteras là-bas. Toute la vie, toute l'éternité qu'on vivra là-bas, elle n'équivaut pas en capacité d'évoluer et d'acquérir des mérites qui sont ensuite le moment de... Ça, il y aura le moment, d'accord, des mérites tellement grands, alors c'est mieux un instant sur terre de tshuva ou de massim, dans ce monde présent, de tshuva ou massim tovim où tu fais des actions, ça vaut plus le coup que de vivre une éternité là-bas par rapport à la capacité justement d'amasser des fortunes, d'amasser des pierres précieuses. C'est le moment, à l'appel tu peux le faire, comme c'est raconté sur le Gaon de Vilna, qu'à la fin de sa vie il était sur son mémoire, il regardait son tzitzit et il en pleurait en se disant qu'avec quelques sous ici sur terre on pouvait prendre et sauver encore, et puis il s'apprêtait maintenant à arrêter cette vie de quitter cette vie de justement où il pouvait amasser les fortunes pour ensuite passer dans l'autre monde. Il en avait de la peine de ça justement. Et ensuite il vient et nous apprend, et sache qu'en, par contre si tu veux mesurer en plaisir, « Yafa sha'achat shal korat ruach » Elle est plus beau un seul instant de korat ruach, de plaisir, bah olam haba, que tu auras au monde futur, mikol chaye a olam hazeh, que toute la vie que tu pourrais avoir dans ce monde présent. C'est connu comme Rav Dessler, il avait l'art de bien faire ressentir chaque mot de la Mishnah. Et il disait comme ça, il disait que plus que. Ça veut dire, essayer de donner une impression de ce que ça peut être un instant du olam haba. Il disait, prends les plus beaux plaisirs que tu as eus cette dernière semaine. Essaye de les prendre, de les condenser en un petit élixir d'une seconde que tu vas prendre et que ça va, tu vas le boire et ça va te faire plaisir. Mais pas une semaine, un mois, mais pas un mois, un an. Et toute ta vie, tous les plaisirs que tu as pu avoir depuis le moment quand tu étais petit et que tu as eu un élan comme ça, quelqu'un qui t'a fait plaisir, tu as été très joyeux, et tu prends tout ça et tu le concentres en un seul instant. Mais pas que de toi, de tous tes frères et tes sœurs, et tes parents, mais pas que ça, tout ton quartier, et tous les hommes de la terre, mais pas que ça. Tu prends les plaisirs de tout le monde, de toute l'humanité, depuis qu'il y avait là-bas Adam Rishon, jusqu'à aujourd'hui, tous les hommes qui ont eu, tu prends tous les plaisirs qu'ils ont pu avoir, tu essaies de les prendre et de les concentrer dans une petite goutte d'élixir merveilleuse que tu vas boire, et que tu vas ressentir un plaisir immense où tu vas concentrer tous les plaisirs du monde entier en un instant. Et bien, il nous apprend que sache qu'un instant au monde futur, ce sera encore plus grand que tout ce plaisir que tu pourras avoir de Mikol Chaye Aolam Hazeh, que toute la vie sur terre, de tous les hommes, de toute l'humanité, un instant là-bas, ce sera un instant encore beaucoup plus grand. Et ça rejoint donc la Mishnah présente en nous disant, finalement, de ce fait, cette vie passagère, eh ben, mets le paquet pour acquérir des tshuvot ou tshuva ma'asim tovim, ne crois pas que c'est le moment d'en profiter et que tu as envie de te faire plaisir ici, sur terre. Fais-toi plaisir, ce qui est nécessaire pour pouvoir être en forme, et continue justement à masser des tshuvah, masser des tovim, parce que c'est ce qui est le plus important. Ensuite, Mishnah Yutret. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, al teraset chavercha bishat ka'aso, ve'al tenachamenu besha'a shabato mutal lefanav, ve'al tishallo bishat nidro, ve'al tishtadel lir'oto bishat kalkalato. Rabbi Shimon ben Elazar avait l'habitude de donner des conseils très importants dans la vie, qui tournent tous autour du même pôle, et qu'ensuite, le Tifer Tissal va prendre et va ensuite élargir le tir sur d'autres situations. De manière générale, sois toujours sage pour faire et dire les bonnes choses au bon moment et pas au mauvais moment. Et il va nous donner quatre exemples de la vie. Et Bartanura rapporte des sources à partir de Psukim, on va juste rapporter le principe. Alteratset chavercha bishat kaso. Lorsque tu vois ton ami qui est bekas, alors ne va pas l'apaiser à ce moment-là. Pourquoi ? Lorsqu'il est fâché contre toi, très fâché, il est très en colère, tu crois que tu as envie maintenant de l'apaiser un petit peu, de t'excuser, de lui dire que tu as fait une bêtise. Sache qu'à ce moment-là, plus tu vas parler, plus tu vas obtenir le contraire. Tu vas dire, mais j'ai pas fait exprès de te casser ta Mercedes.
Il va tuer, il n'en peut plus, il est tout énervé, d'accord? Peu importe quelle est la situation. Donc ce n'est pas le moment de laisse passer le temps. Il va ensuite digérer un petit peu ce qui s'est passé, et après il va le voir et présente-lui toutes les excuses. Sur le même principe encore. Al tenachamenu becha'a shemeto motalefanav. Ne va pas le consoler lorsque son mort est devant lui. Vous voyez, il illustre ça avec quelqu'un qui a eu un mort, c'était son père, sa femme, peu importe, Chas v'Shalom, quelque chose qui était très important pour lui. Ne va pas le consoler en lui disant, tu connaîtras des jours meilleurs, t'inquiète pas. Parce que là, au contraire, tu obtiens tout le contraire. Tu crois que tu vas l'aider à sortir de sa peine, il va qu'avoir encore plus de peine. Lorsqu'il va voir qu'au contraire, tu comprends même pas sa douleur. Au contraire, tu lui dis, bon, la vie, elle continuera, et ça ira mieux. C'est pas le moment, ça va pas, il est en train de se ronger dans sa peine, et lorsqu'il va voir que les gens ne comprennent même pas sa peine, il va encore plus se morfondre dans sa peine. Donc c'est sûrement pas le moment de partir le consoler pendant que son mort est devant lui. Ensuite, Ve'altishalo bish'at nidro, même principe encore. Faut savoir, lorsqu'on prononce un vœu, un éder, qu'on veut s'interdire une certaine chose, par exemple, il y a la possibilité de partir ensuite voir un chacham et de lui dire, de demander un pétach l'énidro, d'annuler le néder. De quelle manière? En général, c'est parce que le chacham, il va dire, et si tu avais considéré telle situation, est-ce que tu aurais quand même prononcé ton vœu? Non. Alors dans ce cas-là, le chacham, alors là, on lui a donné la possibilité au chacham d'annuler le néder grâce à ce qu'on appelle le pétach du néder. Et alors là, lorsque quelqu'un il va faire un vœu, il va s'interdire quelque chose. Je promets que je ne vais pas fumer aujourd'hui. Bon, pendant une semaine, quelqu'un c'est un grand fumeur et il a sa vie en danger, donc du coup, il a dit, allez, deux semaines, je ne fume pas du tout. Il a fait un éder de ne pas fumer. Eh bien, ne va pas toi commencer à lui proposer maintenant, et si tu considérais le fait que ça allait devenir très dur, est-ce que tu voudras? Et ainsi de suite. Parce que lorsque tu vas lui proposer toutes ces situations, en ce moment, il a chaud, il est en train de prononcer le néder, et tout ce que tu vas lui dire, il va forcément te fermer la porte. La possibilité ensuite d'annuler le néder. Quel est l'intérêt d'annuler le néder? Imaginez qu'il passe une semaine, il a des palpitations, il est fâché, ça a été la semaine la plus noire de sa vie, où il a tout perdu dans je ne sais pas, et il n'en peut plus pour une cigarette. Il va finir par se la fumer. Et s'il ne va pas trouver de pétard en néder, de possibilité d'annuler le néder, il va transgresser un très grave interdit. C'est un très grave interdit de jurer et de faire des nédarim, de faire des vœux et de transgresser ensuite. Alors de ce fait, lorsqu'il prononce le vœu, tais-toi, ne va pas lui le mettre dans des situations où tu prononces ton vœu, même dans telle situation, parce que tout ce que tu lui diras, il va forcément fermer la porte, après on ne pourra plus trouver de possibilité d'annuler le néder. D'accord? Et ensuite, Valtishtadel Niroto Bishat Kalkalato. J'ai un peu peiné à comprendre. On va d'abord traduire le principe, il est simple. Valtishtadel Niroto Bishat Kalkalato, littéralement. Ne t'efforce pas d'aller le voir au moment où il est en Kalkala, où il a fauté, il a commis une grave avéra. Chas v'Shalom, ça peut être une très grave. Nid kalkel bechet, ils prennent des exemples très graves. Il a fait une grande avéra, que ça s'est connu, tout le quartier parle de lui. D'accord? C'est la lachoum. Il a fait une très grave avéra. Alors la Mishnah vient nous enseigne une phrase que j'ai du mal à cerner. Qu'est-ce qu'on voulait dire exactement en fait? Ne t'efforce pas à aller le voir au moment où il est en down. Il est en très mauvaise situation, il a honte de ce qu'il a fait, parce que lorsque tu vas le voir, il va avoir encore plus honte. C'est à peu près ce qui est rapporté, mais c'est pas assez clair dans quel sens, pourquoi est-ce que je devais aller le voir. En réalité, alors, c'est proposé de plusieurs manières, dans deux sens, je ne sais même plus où c'est que je les ai vus, mais c'est pas grave. Soit c'était dans Tiferet Israël, Ouais, alors là c'est ça, j'ai vu le Tiferet Israël et j'ai vu le Rabbeinu Yonah, c'est bon. Alors Tiferet Israël explique ça d'une manière, genre dans le sens, il a fait une grave avéra. Et toi t'as envie maintenant de l'aider à s'en sortir, il a fait une grave avéra, Chas v'Shalom, il a transgressé les chétiches par exemple, l'archoum, il sait plus où se mettre. Et toi t'as envie maintenant d'aller le voir en lui disant, t'inquiète pas, maintenant on va tourner une page, tu vas reprendre le dessus, ça va aller, on va reprendre. Mais pour le moment, il est en train de se morfondre dans sa honte. Tu crois que tu vas aller le voir, tu vas l'aider, il va avoir encore plus honte. Donc sois chacham, c'est pas le moment d'aller le voir. Laisse d'abord le temps passer, laisse-le finir de se faire. Quelqu'un qui a fait, qui a d'un coup, ça s'est su qu'il a fait quelque chose de très grave, c'est la honte, il sait plus où se mettre. Mais le temps, il arrondit les uns et les angles. Et alors laisse pour le moment un petit peu le temps passer, 2, 3, 4 jours, jusqu'à qu'à la fin, il commence à redescendre sur terre. Et seulement on va le voir ensuite et va être meratse auto.
ça fonctionne dans ce sens. Donc d'accord, selon le Tiferet Israël. D'après ce que j'ai compris plutôt de Rabbi Yehuda, c'est tout à l'envers. Tu as envie de lui faire une tochacha. Et alors dans ce cas-là, ça sortira quelque chose de très fort. Tu as envie de lui faire une tochacha en lui disant mais qu'est-ce que tu as fait? C'est grave. Ouais, dans ce cas-là, on parle plus d'une faute aussi grave. Au contraire, on parle que par exemple, il a fait quelque chose. D'accord, peu importe, ça peut être un jeune qui a fumé Shabbat ou je ne sais pas exactement quoi. Alors, pour le moment, il est bichat calcalato, il a encore l'odeur sur lui, il a encore le truc, ça s'est su, ça s'est pas su. Tu vas partir faire le mentor, lui délivrer une belle leçon de morale. En ce moment, il n'est pas en position d'accepter de la morale. Pour le moment, il s'est fait griller, en train de griller sa cigarette, le Shabbat, et c'était la grande choum pour lui. Maintenant, il s'est fait attraper, il ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire. Eh bien, sache que si tu vas le voir dans un moment pareil, et tu vas commencer à lui donner du moussard, à lui dire, tu sais, c'est très important le Shabbat. À ce moment-là, ce qu'il va faire, il ne va pas pouvoir supporter le fait d'être en position maintenant, d'avoir fait une avéra qui s'est tellement connue, s'il est dans un milieu où c'est quelque chose que ça ne se faisait pas du tout et tout ça. Et maintenant, du coup, tu viens, tu le brusques quand tu viens, tu lui dis ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se barricader. Et puis, du coup, tu vas lui développer l'image du soi. Au contraire, ben, tant pis, il n'est plus dans le coup. Et donc, il va partir encore plus au large. Non, laisse le temps passer. Quelques jours, et seulement après, une fois que ça s'est tassé, alors tu viens et tu commences à lui dire, tu sais, c'est très important, il faut que tu te ressaisisses sur ça, et ainsi de suite, d'accord? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Atzlacha, Kol Tov, Salam.